Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors désolé pour le bruit de la primante, mais ça imprime, donc voilà, on est au taquet. Alors je viens vers vous juste pour vous dire que je ne vous oublie pas, donc ça ne sert à rien de me relancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Évidemment, vous me relancez, c'est tout à fait normal, et d'ailleurs je demande à ceux qui n'ont pas encore reçu les PDF d'hier matin de me relancer. Mais voilà, il me faut un peu de temps pour pouvoir répondre à toutes vos questions et tous vos mails, parce que je tiens vraiment à répondre à tout le monde. Alors je vous demanderai aussi que dès que vous avez reçu vos PDF, vous me fassiez un petit message en me disant bien reçu, parce que parfois ça se met en file d'attente dans mon adresse mail, parce que ben voilà, j'en envoie quand même assez bien et peut-être que parfois ça bug, donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez bien reçus. Alors encore une petite chose que je vous demanderai, c'est si vous m'avez relancé par Facebook, ce que je peux tout à fait comprendre, ne me relancez pas derrière par mail ou par Instagram, parce que le problème qui se pose, c'est que parfois, ben, je ne fais pas attention que je parle à la même personne, et du coup, comme vous m'envoyez sur deux trucs différents, je m'y perds. D'ailleurs, hier, j'ai fait une bourde, j'ai envoyé deux colis à la même personne. Bon, après, j'ai rectifié, évidemment, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une bourde, c'est quand même une bourde qui m'a coûté les frais d'envoi, tout simplement parce que la personne m'avait envoyé donc par Facebook et m'avait envoyé en plus par mail, et du coup, franchement, dans la masse, j'ai pas fait attention et j'ai fait les deux envois, mais bon ben voilà. Donc ça arrive, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc s'il vous plaît, si vous me lancez par Facebook, restez sur Facebook, ne passez pas sur les autres canaux pour me relancer, parce que bien souvent je ne fais pas la relation vu qu'il y a énormément de questions, de demandes, etc. Donc voilà, en tout cas, on ne vous oublie pas, on est au taquet, on fait le maximum pour essayer de vous faire ça dans un temps record, mais c'est vrai que malheureusement on n'a que deux mains, enfin moi en tout cas j'en ai une et demie, et un seul cerveau. Et donc du coup c'est un petit peu compliqué, mais voilà, ne vous inquiétez pas, on gère. Allez, c'est parti, let's go, je m'y remets.